Si l'oras il nomi, ben fan de cabinomi. La musique adoucit les mœurs. Le dire, c'est aussi dire combien de ces nobles arts on attend davantage. Mesdames, bonjour, messieurs, bonjour, bienvenue à cette autre édition de la Vitrine de l'Emploi, ce programme de Radio Kamit pour la valorisation des savoir-faire et des savoir-faire-faire de la diaspora africaine. Quoi de mieux qu'une entrée aussi spirituelle dans ce programme? Djami Sitson, bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour. C'est un plaisir de vous avoir et c'est tout un honneur d'ailleurs. Vous êtes à Turin. La première question, avant que d'aller essayer de vous connaître, pourquoi vous êtes à Turin? Déjà, je suis à Turin pour un festival, Tribal Town. J'ai été invité par Magat pour prester ici, pour jouer notre musique africaine contemporaine et faire un masterclass autour des chants polyphoniques de l'Afrique centrale. Et donc le festival, c'est bien sûr le Tribal Town African Festival, c'est donc à Turin les 5, 6 et 7 juillet. Ne manquez pas surtout ce grand événement qui se veut désormais à cadence annuelle. Et c'est un plaisir, je le disais déjà, de vous avoir. Et merci à Magat Dien, le président de l'association Tamra, à l'initiative de ce festival. Djami Sitson, on revient donc à vous. Je vais vous laisser vous présenter pour nos internautes qui nous regardent. Ok. Merci déjà pour l'invitation et de passer par ce canal. Je suis Djami Sitson, je suis camerounais, chanteur, auteur-compositeur, musicien et tradi praticien. Et mon nom, Kamsi, comme on dit à l'Ouest Cameroun, comme prêtre chaman, et c'est Meni Pokam Dassier. Alors, je vis en Allemagne, ça fait 24 ans. Et je suis aussi musicothérapeute. Et je donne des concerts, j'enseigne, je soigne avec la musique. Je suis en mouvement, un être aujourd'hui qui puise ses racines dans le passé ancestral africain et qui s'ouvre aux divers courants sonores, philosophiques et spirituels du monde. Voilà. Après une telle présentation, on a bien envie de dire bienvenue sur Radio Kamit. Merci beaucoup, avec beaucoup de joie, merci beaucoup. Et vous qui nous regardez depuis vos domiciles, merci de nous suivre. Merci aussi de vous abonner, partager le contenu si vous le trouvez intéressant. Djami Sitson, on va donc aller découvrir votre art. Et la première question, naturellement, on vient d'écouter un petit bout de ce que vous savez faire. Je vous laisse la parole. De quoi s'agissait-il concrètement? En fait, ça c'était un préludium de nouveau morceau que je viens de faire avec mon nouveau trio, avec deux violons et le ndéou. Le ndéou, c'est un instrument de pygmée. Et c'est un préludium avec le ndéou avec deux violons. Et ça parle de tout simplement pour honorer nos ancêtres, un appel. Parce qu'avant, il faut toujours faire la libation. Pour, ce morceau s'appelle Ndéou Zézé. Ndéou, hommage à cet instrument, Zézé, parce que il y a aussi un violon tanzanien, d'un grand maître tanzanien qui s'appelait Ukwesa Oze, qui m'a beaucoup inspiré dans sa musique, qui est vraiment ancestrale et qui soigne. Voilà. Donc, c'est un honneur aux ancêtres, je veux dire. Parlant justement de votre musique, vous le rappelez bien sûr, c'est cette musique-là qui puise dans les traditions ancestrales et puis vous avez honoré les ancêtres méritants. Et puis, on peut quand même remarquer, à vous suivre, à vous écouter, cet appel au brassage, cette valorisation du brassage. Y a-t-il une raison particulière? Si oui, laquelle? En fait, c'est vrai que c'est un appel, mais je suis un Africain d'aujourd'hui et fruit des courants divers. C'est vrai que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Ça veut dire que tout ce qui découle de l'Afrique est africain. Comme ça, c'est ma démarche. Et je ne m'enferme pas. Donc je m'enracine, mais je m'ouvre, comme le disait Senghor, même s'il était diabolisé après. Mais cette démarche, c'est une démarche de curiosité.
Les Africains, ils utilisent le téléphone aussi, ou bien peut-être la voiture. Donc, je vis ici et maintenant, et je m'inspire de ma tradition ancestrale, des percussions, des kalimbas, des sansa. Et je rencontre aussi les violons, la musique classique européenne, ou la musique, ou bien la philosophie soufie, par exemple. Et voilà. Donc, je ne cultive pas le nombrilisme. Je dis, le bien est partout. Il faut savoir extirper ce qui est positif, prendre ce qui est positif partout où on est, mais sans oublier ses racines, parce que c'est la terre-mère, Kama, c'est elle qui nous tient, voilà. Au risque de se perdre dans la culture de l'autre. Voilà, voilà, c'est ça. Alors, restons à parler de votre art et surtout de cette polyvalence qui est votre. Vous jouez de plusieurs instruments, vous venez de nous en présenter quelques-uns. Il y a le ndéou, puis sansa, le ngoni. C'est combien d'années d'expérience En fait, j'ai 49 ans cette année. Je suis issu d'une famille de musiciens. Et mon grand frère, c'est Gino Sitson, qui est docteur en musicologie, sans publicité. Un des très connus. Et puis, j'avoue, vous me tendez là une très belle perche. J'avoue que lorsque j'ai su que je pouvais me rapprocher de vous et avoir cette occasion de l'interview, la première chose qui m'est venue en tête, c'est que, j'ai Gino Sitson. Mais lorsque j'ai vu l'image, je dis non, c'est pas lui. J'ai été un tout petit peu déçu avant que d'aller vous connaître. Et Dieu seul sait, mais vraiment... je ne suis pas resté vraiment déçu longtemps parce que vous faites quelque chose d'extraordinaire. Je vais vous remettre la parole où vous étiez. Vous êtes issu de cette lignée De musiciens. Avec Gino Sitson, avant lui, il y a d'autres plus grands, en fait, grands frères, comme l'aîné de notre famille qui a fait les festivals Montreux dans les années 82-83, avec Taj Mahal, Patti LaBelle, B.B. King. Donc, nous sommes une famille de musiciens. Nous n'aboyons pas beaucoup. Donc, on travaille dans la substance, on est effacé, mais on a cette démarche de curiosité de faire la musique, rencontrer l'autre pour apprendre, pour grandir. Voilà, c'est un peu ça. Et pour le grand bonheur cette année du festival Tribal Town, Africa Festival à Turin, qui a donc la chance de vous recevoir et vous êtes des nôtres. La petite question. Certainement parce que le public nous regardera après le festival. Nous voulons bien savoir qu'est-ce que vous avez préparé pour les mélomanes de Turin. Ah, j'ai préparé de très bons menus sonores. Aujourd'hui, par exemple, je vais faire un solo récital de musique africaine. Je dirais de musique panafricaine, voilà, avec le ndéou, avec tous ces instruments. Et demain, je vais donner un masterclass sur les chants polyphoniques traditionnels et contemporains de l'Afrique centrale. L'utilisation de la voix comme instrument, voilà. Donc on va explorer cet univers sonore de la voix et d'ancrage spirituel aussi. Parce que tout est lié, tout est un, quoi. Une voix qui soigne, voilà. Et justement, vous me faites arriver à cela en préparant cette émission. Justement, vous l'avez mentionné, vous êtes aussi un musicothérapeute. Oui. Qu'est-ce que cela veut dire? Un musicothérapeute, c'est quelqu'un qui soigne avec les sons, avec la musique.
Voilà, c'est ça. Et j'apporte, c'est vrai que je l'ai étudié ici en Europe, mais en dehors de cela, je suis initié, traduit praticien, initié dans nos camps du village. Voilà. Donc, pour soigner, pour guérir, pour ouvrir les portes, pour aider autrui ou bien mon frère africain de retrouver qui il est. Voilà, voilà. Beethoven sagt zum Beispiel, die Musik sollte dazu beitragen für die Entfaltung der Persönlichkeit des Menschen. Ça veut dire que. En français facile. Ça veut dire que. Ça fait 24 ans en Allemagne, c'est vrai, j'oublie parfois. Mais je veux dire, ça veut dire que Beethoven, le grand collègue musicien, compositeur, dit que la musique doit concourir à participer au développement personnel de chaque être humain. Donc il y a la musique qui soigne. Même dans notre musique, dans notre culture, nous l'avons. Au Sénégal, il y a le ndop. Il y a dans toutes les traditions ancestrales, on César, non seulement pour égayer le peuple, mais pour aussi guérir. Voilà. Et pour même dans l'islam même aussi, avec Rumi par exemple, la danse des derviches. Le but c'est atteindre la transcendance aussi. Et je peux vous dire que votre musique particulièrement a ce quelque chose qui transporte et véritablement nous fait arriver à cette dimension, je ne vais pas dire inattendue, mais inhabituelle. J'allais dire Gino Sitson, Jamy. Oui, on le confond beaucoup. Jamy Sitson, nous arrivons à la fin de cette belle balade ensemble, de ce moment ensemble, bel échange. Je voudrais vous laisser la parole, non sans avant vous dire merci, vous remercier d'avoir accepté cet échange, cette interview, alors même que nous vous avons un peu bousculé dans votre agenda. Si vous aviez un mot de fin, ce serait lequel? Je n'affectionne pas à dire un mot de fin, parce qu'il n'y a pas de fin. Donc tout est continuité. Tout ce que je peux dire, c'est de vous remercier pour votre démarche intellectuelle et d'enracinement dans la culture africaine. C'est pour vous encourager, la jeunesse et mes frères, de continuer dans cette mission civilisatrice, je pense. Parce que l'Afrique, c'est le berceau. Comme on le sait, et aussi encourager nos frères et sœurs à retourner à la source. Sans la source, on n'est rien, pour parler comme au quartier. Voilà, donc merci et que Dieu vous bénisse, que les ancêtres méritants soient avec vous, que les lieux sacrés de Bazou du Génien, de Sikofi, Si Tungu, Sitani de Balengu, de Bangoulap, soient avec vous. Voilà. Merci et aussi avec vous de votre attention et écoute. Merci, surtout merci de toujours nous soutenir. Bien le bonjour au TEP. Au TEP.